Bonjour à toutes et à tous, je suis Stécie Algrin, journaliste et fondatrice de Penser l'Après. Je vous souhaite la bienvenue dans cette seconde édition des rencontres du développement durable organisées par Open Diplomatie. Aujourd'hui, c'est la cinquième journée de cette seconde édition. On se retrouve pour une journée donc organisée avec l'EDEC sous le thème de « Investir la finance responsable ». Après une table ronde sur la rationalité économique et la transition écologique, on se retrouve pour la masterclass Génération Future du jour, un moment de discussion intergénérationnelle pour parler des enjeux de la transition écologique en dépassant les clivages et en dépassant cette fameuse question de boomer ou pas boomer. Aujourd'hui, on le sait, le GIEC l'a rappelé avec son dernier rapport, on se rapproche dangereusement des points de non-retour, de ce qu'on appelle les points de bascule. On l'a vu cet été, la Grèce, les États-Unis ou encore la Turquie se sont embrasés. La Belgique ou l'Allemagne ont été sous les eaux. On voit que le changement climatique est en pleine action. Et contrairement à ce qu'on pensait nos dirigeants, on ne peut plus se permettre de faire des plans à 50 ans ou 80 ans. On doit agir dès aujourd'hui, puisque le changement climatique n'est plus une menace lointaine, mais bel et bien une réalité qui est en train d'affecter le quotidien de millions de personnes. Donc c'est pour commencer à ancrer ce changement dans notre réalité, dans notre quotidien, qu'on se retrouve aujourd'hui avec six intervenants passionnants que je vais vous présenter tout de suite. Donc la première, Émilie Paris, présidente de la Confédération nationale des juniors entreprises. Gabrielle Rousseau, déléguée française au Y7 2021. Florian Breton, pardon, fondateur et directeur général de Mimosa, juste à ma droite, et également membre de la Convention des entreprises pour le climat. Ensuite, par téléphone avec nous, nous aurons le docteur Corinne Lepage, ancienne ministre, avocate et coprésidente de Cap Écologie. Également à distance, Louis Gaillet, étudiante à l'EDEC. Et enfin, Rosa Björk, je vais essayer de ne pas trop charcuter le nom, journaliste islandaise et membre du Parlement pour les social-démocrates. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. On va passer donc une heure à peu près ensemble avec une première partie basée sur des échanges. On aura à peu près 30-45 minutes. Et ensuite, vous pourrez, vous qui êtes à distance, poser toutes vos questions et j'essaierai de les faire remonter à nos intervenants. Et on essaiera de vous apporter des réponses. C'est bien le point de cette masterclass, apporter des réponses à des enjeux d'aujourd'hui, à des questions de transition. Et je vais commencer tout de suite avec vous, Gabrielle Rousseau. Vous êtes donc déléguée française au Y7 2021. Donc c'est la version jeune du G7. Donc c'est quand même pas rien. Bravo d'avoir été sélectionnée. Comment est-ce qu'en tant que jeune engagé, est-ce que vous percevez cette crise climatique qu'on est en train de vivre aujourd'hui et surtout le rôle des différentes générations? Parce qu'on a pu le voir, on a quand même pas mal de points de friction, de tension entre ce qu'on appelle la génération climat et la génération des boomers. Donc quel est votre avis là-dessus? Merci beaucoup Stécie pour cette introduction. Alors en effet, pour moi, il y a deux niveaux pour envisager la perception de la crise climatique. La première, c'est une perception de l'urgence, évidemment, qui est fondée sur les faits, sur la science. Tu as parlé du dernier rapport du GIEC. En effet, c'est une perception d'urgence et de nécessité d'action. Et le deuxième niveau, c'est l'inclusion de cette urgence-là dans les politiques publiques. Et c'est là que la jeunesse a eu un impact important. C'est là que les jeunes générations se sont mobilisées pour faire remonter cette urgence tout en haut de l'agenda politique. Et la raison pour laquelle les jeunes générations sont particulièrement concernées par ça, ce n'est pas par idéalisme, c'est par réalisme. Parce que, évidemment, on parle des générations futures aujourd'hui, mais nos générations seront directement impactées par cette crise climatique. On parle de 10, 20, 30, 40, 50 ans. Ça nous touche directement. Et c'est pour ça qu'on appelle à l'action. Et c'est d'ailleurs ce qui est ressorti de nos consultations, parce que, comme tu le disais, on faisait partie du Y7 et on a mené des consultations dans tous les pays du G7. Et auprès de la jeunesse, pour savoir un peu quelles sont les problématiques qui leur tiennent à cœur. Et l'enjeu climatique est ressorti en numéro 1. Donc il faut savoir qu'on était divisé en quatre catégories, quatre thématiques, santé, numérique, environnement et économie. Moi, je m'occupais de l'économie. Et en fait, on a souhaité, dans toutes nos recommandations, dans toutes ces thématiques, faire ressortir l'enjeu environnemental, parce qu'on ne peut plus parler de politique économique sans réfléchir à l'impact environnemental qu'elles ont. On ne peut plus réfléchir à la révolution numérique sans penser à cet impact également. Et on a tous fait cette expérience-là. Les bouleversements environnementaux, les bouleversements climatiques ont un impact direct sur la santé au niveau mondial, pas seulement sur les populations ou sur les pays qui sont dits vulnérables, mais bien sûr tout le monde. Donc c'est pour ça que les générations futures portent cet enjeu.
Merci beaucoup. Et pour mentionner peut-être un deuxième baromètre, il y a l'Eurobaromètre également qui a été publié et qui a montré que, pareil, si on regarde la population européenne, la question climatique se hisse en tête de leurs préoccupations. Donc c'est un enjeu qui touche absolument toutes les générations. Je vais me tourner vers vous maintenant, Corinne Lepage, vous êtes à distance, merci d'être avec nous. Les responsabilités générationnelles, elles sont régulièrement au cœur des débats. On en parle régulièrement, que ce soit dans les médias ou même aujourd'hui à notre table. On va essayer de dépasser les arguments stériles du type « qui est-ce qui doit changer en premier ?» parce que ça ne nous amène clairement à rien. Les chiffres aujourd'hui sont assez clairs. On nous montre que si on veut essayer de réduire l'augmentation des températures à 1,5 degré comparé aux 2 degrés sur lesquels on est en train de se diriger, aujourd'hui, les jeunes vont devoir émettre 8 fois moins de CO2 que leurs grands-parents. Donc il y a quand même cette question de justice intergénérationnelle. Qu'en dites-vous? Quelles sont les solutions? Comment est-ce qu'on peut réconcilier ces générations et la question de la transition écologique? Alors, d'abord, merci de me donner la parole. Pour moi, la justice intergénérationnelle est un sujet absolument majeur. Et du reste, je défends une déclaration universelle des droits et des devoirs de l'humanité qui repose notamment sur le principe de l'équité intergénérationnelle. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, quand vous dites 2 degrés, vous êtes très optimiste, puisque en réalité, c'est 2,7 actuellement. Ce n'est pas 2 degrés, donc c'est en fait beaucoup plus. Alors, c'est vrai que de réécrire l'histoire ne sert strictement à rien, si ce n'est à beaucoup s'énerver, parce que, en fait, on aurait tout pu mettre en place en 1980, ce qu'on n'a pas fait. Bon, les choses sont ainsi. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Il est clair que c'est tous les secteurs qui sont concernés. Et vous avez raison de mettre l'accent sur la question financière parce que cela commence par les investissements, à la fois ceux que l'on ne fait pas ou que l'on ne doit pas faire et ceux que l'on doit faire. Et donc la question de la répartition des investissements est absolument majeure. Et je crois que sur ce point, ce qu'est en train de faire l'Europe avec la taxonomie, en espérant que les lobbies n'interviendront pas trop pour, je dirais, faire changer les grandes orientations, est quand même très important. La deuxième bonne nouvelle au regard de la finance, à mes yeux, c'est que le risque de perte d'actifs financiers liés tant aux actifs climatiques qu'aux questions de biodiversité, j'ouvre une parenthèse, il faut toujours lier, à mon avis, biodiversité, climat, et santé globale, parce que tout ça fait un tout. Les risques de perte d'actifs sont extrêmement importants. Donc, les investisseurs et les financiers ont tout intérêt à regarder les choses sous un angle différent. Il y a un autre acteur, à mon avis, qui est très important, c'est l'assureur. Et le rôle des assurances dans la manière dont on peut réorienter les choix très rapidement, parce que là, on a une fenêtre de tir qui est de 8 ans hein, bientôt, puisque c'est 2030, on va arriver en 2022, il reste 8 ans. On peut beaucoup jouer avec les assureurs. Et peut-être là-dessus, revenir à un peu d'égalité intergénérationnelle, parce que finalement, c'est ceux qui ont le patrimoine, c'est-à-dire les plus âgés, qui peuvent être amenés à faire les efforts les plus importants. Peut-être que par là, on peut essayer un tout petit peu de rétablir l'équité intergénérationnelle. Je vous remercie. En effet, la question de la finance est au cœur de la journée que nous sommes en train de vivre, la finance responsable. Louise Gaillet, vous êtes également avec nous aujourd'hui pour nous parler de votre expérience. Notre génération, elle est souvent appelée génération climat, que ça nous plaise ou pas d'ailleurs. Et on est d'ailleurs de celles et ceux qui ont marché pour le climat. On a fait la grève les vendredis avec Greta Thunberg. Et aujourd'hui, on le voit qu'on a quand même des préoccupations, un sentiment d'oppression aussi. On se dit le futur vers lequel on est en train de se diriger n'est pas franchement optimiste. Et à tel point que donc un sondage qui a été effectué entre mai et juin 2021 par l'Institut Kantar dans 10 pays auprès de 10 000 jeunes, donc c'est pas rien, de 16 à 25 ans, nous indique que 75% d'entre eux jugent l'avenir effrayant. Donc on se dit que c'est pas juste l'avis d'un petit Parisien bobo qui s'est dit un jour je vais manger des carottes. Alors qu'est-ce que tu penses que les craintes des jeunes sont prises au sérieux par nos dirigeants? Est-ce que tu te sens entendu, écouté? Alors est-ce que la question était... Merci pour cette question, parce que je pense en effet qu'on a toutes les raisons d'être inquiet à propos du changement climatique, comme l'a également souligné Gabrielle. Mais pour autant, je fais partie de ceux qui pensent que l'humanité n'est pas condamnée
Certains pensent qu'il n'y a pas forcément de solution. Moi, je suis convaincue qu'il y en a. Que pour ça, il faut qu'on ait une carte à jouer, qu'il faut la jouer très rapidement, qu'il faut mettre en place des solutions dans le très très court terme. Et que pour ça, il va falloir développer une vision holistique du problème, s'intéresser à tous les pendants, à toutes les industries, à tout le marché. L'action politique va être importante pour ça. Il va falloir aligner les acteurs, définir une stratégie sur le plan régional, national et international. Je pense pour autant que les politiques prennent en compte nos craintes, qu'ils nous écoutent, mais que le problème réside vraiment dans le fait que les choses ne bougent pas assez vite, qu'il va falloir faire en sorte que le processus s'accélère. La difficulté est qu'il y a une inertie du changement. Faire évoluer les mentalités, mettre en place des solutions, ça prend du temps. Et donc, tout ça va nécessiter un courage politique de ceux qui peuvent faire changer les choses. Ça va pas être évident, mais des actions au plan national comme la Convention citoyenne pour le climat sont intéressantes, elles peuvent aider à faire évoluer les choses. Cette Convention citoyenne pour le climat, qui a réuni 150 personnes de la société française pour trouver des mesures à appliquer, ont permis de faire certaines propositions. Toutes n'ont pas été retenues. En est ressorti également un dilemme qui se présente à notre société, qui se présente à nous, c'est qu'il va falloir faire des choix entre des solutions pour combattre la menace qui est au-dessus de nous et pour prendre en compte la réalité du monde dans lequel on vit. Va falloir accepter de changer les choses. Bien sûr, on ne peut pas tout arrêter du jour au lendemain, mais va falloir que les choses changent. Et finalement, notre action au plan national notre action personnelle va être bien, notre action au plan national est importante, mais tout va jouer au plan international. Si on veut faire changer les choses, ça va être un investissement collectif. On attend là début novembre la COP26 à Glasgow, 6 ans après Paris. Les attentes sont fortes. Donc, à voir ce qu'il en ressort. Mais en tout cas, nous jeunes, nous avons les cartes en main, je le pense, pour faire bouger les choses. Alors engageons-nous. L'action politique est importante. Les figures emblématiques qui cherchent à faire bouger les lignes sont également importantes. Mais c'est vraiment l'action de tous les citoyens qui vont être le véritable vecteur du changement. Et donc, faut passer outre le fait que certains tournent en dérision nos craintes et il faut induire le collectif dans cette transition écologique. Merci beaucoup. Donc, on vient d'avoir le partage d'expérience de Louise. J'aimerais peut-être avoir ton avis également, Gabriel, sur cette question de est-ce que la jeunesse se sent écoutée ou en tout cas vraiment prise en considération dans les prises de décision? Parce que moi, j'ai pas mal en tête une Greta Thunberg qui vient s'exprimer face à nos dirigeants à Davos, par exemple, et la moitié de l'audience qui presque lui rit au nez. Donc, comment est-ce que toi, tu perçois ça et peut-être d'autres pistes d'action que celles qui viennent d'être proposées? Alors oui, c'est vrai que je ne partage pas forcément cette idée que les jeunes sont suffisamment écoutés. Je trouve que c'est plutôt le contraire. Et en effet, justement, cet exemple de Greta Thunberg est très parlant. En fait, il y a deux manières d'intégrer les jeunes dans la politique publique. Il y a intégrer leurs intérêts, donc faire en sorte que les politiques publiques prennent suffisamment en compte la jeunesse pour pas qu'elle soit mise de côté. Et ça n'a pas été suffisamment fait, par exemple, pendant la pandémie. On sait très bien que les politiques ont mis beaucoup, beaucoup de temps et pas assez de moyens pour faire en sorte que les jeunes soient, enfin, pour lutter contre la précarisation des jeunes et surtout sur l'impact désastreux qu'a eu la pandémie sur leur santé mentale. Évidemment, c'est le cas de toutes les populations, mais les jeunes ont été particulièrement touchés. On a mis beaucoup de temps à s'en rendre compte. Et l'autre, en fait, l'autre pendant de l'inclusion des jeunes dans les politiques publiques, c'est la prise en compte de leur voix, c'est-à-dire la prise en compte, enfin, que les jeunes participent au processus de décision politique, pas seulement. Qui soit ciblé. Et ça, évidemment, ça permet d'une part qu'il soit ciblé, mais ça, c'est bon, c'est vrai pour tous les groupes ou sous-segments de la population. Mais la jeunesse en particulier, je pense qu'elle apporte quelque chose qui est très important, c'est justement s'inscrire dans du long terme. Louise, tu parlais d'action de court terme. Moi, je pense au contraire qu'on doit s'inscrire dans un processus de long terme. Il n'y a pas de projet social sans objectif de long terme. Et en fait, on est dans un discours, à mon avis, depuis quelques années d'urgence,
urgence sanitaire, urgence climatique, urgence sécuritaire. Alors oui, c'est vrai, on est dans une situation d'urgence, mais pour y répondre, c'est pas des solutions de court terme qui vont vraiment faire changer les choses, même si elles sont nécessaires. C'est justement s'inscrire dans un processus où on se dit où est-ce qu'on veut arriver après la crise, qu'est-ce qu'on veut construire comme société. Et pour ça, on a besoin de la jeunesse pour nous rappeler que c'est pas seulement pour le prochain quinquennat, mais c'est bien pour justement les quelques dizaines d'années à venir. Merci beaucoup. On a entendu donc l'appel de la jeunesse à agir. On nous a dit qu'on avait besoin de tout le monde et on a aussi besoin des entreprises. Donc Florian, vous êtes président directeur et vous avez cofondé Mimosa donc dans la finance. Comment est-ce que vous percevez le rôle des entreprises? Parce que en tant que jeunes engagés, on a souvent cette vision d'entreprises qui vont utiliser leur pouvoir de lobbying pour faire pencher la balance du mauvais côté, qui vont exploiter les ressources pour se faire un max de fric, clairement. Donc comment est-ce qu'on arrive à sortir de tout ça, que ce soit aussi bien du côté de notre génération, mais aussi des entreprises qui ont tendance à se cacher derrière des manœuvres de greenwashing ou même d'évitement, comme les stratégies carbone neutrales. Donc comment est-ce qu'on fait tout ça? Bien, bonjour à tous. Déjà, merci de l'invitation. Et c'est déjà une belle forme d'engagement que de témoigner aujourd'hui sur cette formidable thématique. Oui, en effet. Donc, moi, j'ai monté Mimosa, qui est une plateforme de financement dédiée à la transition agricole. Donc, forcément, on est un peu impact natif nous concernant. Je pense qu'on n'a pas besoin de le prouver avec quasiment 5 000 projets accompagnés en 6 ans sur la transition agricole. On est vraiment très fortement engagé dans les enjeux sociaux et environnementaux. Pour en revenir au sujet qui est le mien sur les entreprises, je crois profondément en la capacité des entreprises, au-delà des citoyens, on l'a vu avec la Convention des entreprises pour le climat, dont je fais partie aujourd'hui, à transformer notre économie et en tout cas notre modèle productif. Et à transformer aussi le capitalisme. Le capitalisme, quand il est né à son ère industrielle, en tout cas, on a souvent tendance aujourd'hui à pointer du doigt le capitalisme, mais au départ de l'histoire, c'était vraiment le lien entre la finance et l'économie. Il s'agissait de financer l'appareil productif afin de générer de la production, de la croissance, et ça a développé dans les pays, en tout cas occidentaux, tous les modèles sociaux auxquels nous appartenons aujourd'hui. Le problème, c'est qu'ensuite, cette économie s'est financiarisée, et que désormais les simples transactions sur les marchés financiers créent de la valeur qui est non taxée en plus, et créent de la valeur plutôt financière et spéculative avec des investissements qui sont extrêmement court terme. Mais finalement, si on en revient à l'ère originelle du capitalisme, ça ne crée aucune valeur ou très peu d'un point de vue social et écologique. Donc aujourd'hui, il s'agit de reprendre la main un petit peu sur le capitalisme, et les entreprises ont cette capacité, on l'a vu notamment avec quelques histoires de dirigeants qui ont toujours été suivis par les actionnaires, mais en tout cas qui montrent la voie d'une nouvelle ère avec un capitalisme qui se met au service de l'économie et des enjeux sociaux et environnementaux. Pour moi, le sens de l'histoire, c'est vraiment la mesure de l'impact. Et il s'agira un jour, très rapidement, je le souhaite, le plus rapidement possible, à travers ses bilans financiers, à travers sa communication extra-financière, à travers ses produits qu'on distribue dans les linéaires, de rendre compte aux citoyens, aux consommateurs que nous sommes, et aux enjeux sociaux et écologiques. Et donc les entreprises et les marques, plus largement, ont une vraie capacité de transformation. On va passer... On le voit très bien aujourd'hui, tous les cabinets RSE sont surchargés de travail. On passe d'une ère du marketing plutôt de l'offre, où là on a saturé les linéaires et les profondeurs de gamme notamment, à un marketing de la preuve. Et donc c'est dans ce sens-là finalement que désormais, oui, bien évidemment, il va falloir se protéger de manœuvres de greenwashing. Mais d'une certaine manière, s'il faut un tout petit peu greenwasher avant d'engager un collectif, des collaborateurs, une entreprise, une vision et un capitalisme, si c'est une étape en tout cas qui est nécessaire pour transformer nos économies, le capitalisme, et donc répondre favorablement aux enjeux écologiques et sociaux planétaires, eh bien, c'est peut-être un moindre mal et une première marche en tout cas à franchir. Ah oui, carrément, on en est... On en est en réalité quand, bien évidemment, on pourrait débattre longuement de tous ces sujets, même de grandes entreprises du CAC ou Total, par exemple, qui se transforment en Total Énergie. Ouais. En attendant, on est quand même encore aujourd'hui dans une économie carbonée. On doit vivre avec un grand paradoxe en tant que consommateur et citoyen. Et les entreprises doivent aussi déconstruire leur modèle passé pour passer sur une nouvelle étape qui va dans le sens réellement des enjeux climatiques et sociaux. Et ces paradoxes, les grandes entreprises, en étant plutôt une petite entreprise, mais ces grandes entreprises le vivent avec plus ou moins de sincérité. En tout cas, il faut qu'elles se transforment, et nous le vivons au quotidien en tant que citoyens. Je rappelle aujourd'hui que en France, parce qu'on pointe souvent du doigt, alors là je parle plutôt en tant qu'agriculteur, enfin en secteur professionnel, secteur agricole, on pointe du doigt aussi notre consommation de viande.
c'est à peu près 85 kilos par an par Français. En termes d'empreinte carbone, c'est un aller-retour Paris-Lisbonne. Donc certains arrêtent. Dans le même temps, un Français qui arrête de consommer de la viande, c'est 10 personnes en Asie qui commencent chaque jour. Donc on doit vivre aussi avec cette approche planétaire. Et quand on arrête, quelquefois, on n'est pas juste non plus dans notre démarche d'engagement, puisqu'on ne se prive pas d'un aller-retour à Lisbonne pour aller profiter d'une semaine entre amis. Donc ce que nous vivons à notre petite échelle, et il s'agit bien évidemment de s'engager en tant que personne, les grandes entreprises doivent le vivre aujourd'hui, le vivre, et doivent s'engager justement pour être un facteur de résilience et de contribution aux enjeux mondiaux auxquels nous devons faire face aujourd'hui. L'exemple que vous avez utilisé est hyper intéressant parce que c'est un peu la question des petits pas, des éco-gestes. En tant que citoyen, on a été beaucoup poussé vers cette voie-là en nous disant essayez de réduire vos déchets, ce sera super, vous aurez déjà fait une grosse part du travail. Aujourd'hui, on voit en effet quand on fait son empreinte carbone que c'est un impact qui est minime. Et j'aimerais dire que c'est la même chose du côté des entreprises en effet, parce que sur la question du plastique dans les océans par exemple, on nous a rabâché les oreilles avec la question des pailles. Aujourd'hui, on va dans les océans, on voit que c'est une partie infime à nouveau des déchets. Donc comment est-ce qu'on arrive à faire changer aussi les stratégies de communication, parce qu'on voit que c'est parfois utilisé pour essayer de prendre un petit peu de délai sur le réel changement qui va être engagé dans la société et dans les entreprises. Mais moi, je pense que le trio, forcément, qui est un trio centenaire, hein, mais c'est le peuple, les citoyens, les acteurs politiques qui ont aujourd'hui, on parlait tout à l'heure de courage, ont cruellement manqué de courage, certainement à des époques clés où il fallait transformer les choses, et les entreprises, puisque en réalité, la foule que nous sommes, par la somme des petits pas, représente des grands pas, mais les entreprises ont une capacité de transformation radicale et beaucoup plus rapide. Donc en effet, il faut, par nos actions quotidiennes, faire preuve de choix, quelquefois un peu radicaux, dans la consommation notamment, puisque, par exemple, quand on consomme de l'alimentation, aujourd'hui, le grand débat, c'est l'agriculture biologique. Au sens, derrière l'agriculture bio, il y a l'enjeu de la santé. On ne parle pas forcément que du climat, mais on parle aussi de biodiversité, d'environnement, notamment quand on parle des pesticides. Mais basculer la ferme France en bio à 100%, demain, c'est importer 75% de notre consommation. Donc aujourd'hui, il y a des alternatives qui ne sont pas encore complètement existantes, notamment en termes d'accompagnement et de traitement des plantes, justement pour contribuer encore une fois à la défense de notre souveraineté et sécurité alimentaire, que ce soit en France et aussi à l'international. Et donc il faut faire attention aussi quelquefois à la vitesse à laquelle on transforme nos économies et notre manière de consommer. Et j'invite vraiment les gens à consommer, bien évidemment, local et de saison, puisqu'on répond à la fois à l'enjeu de santé, de climat et de biodiversité, quand on en a encore une fois les moyens aussi, puisqu'il s'agit aussi de parler du pouvoir d'achat derrière tout cela. Et tout le monde ne peut pas consommer bio, local et de saison. Donc ça, c'est aussi un sujet important. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il est important d'avoir une approche, encore une fois, assez holistique des problèmes, et ne pas seulement avoir un enjeu de radicalité trop immédiate. Et la jeunesse a une voix immense et un pouvoir immense. On est la première génération à subir ces effets-là. Et la dernière, si je paraphrase certains jeunes notamment qui en parlent, je suis parti plutôt de l'ancienne partie de la génération Y, et désormais il y a une nouvelle génération Y, mais je considère appartenir à cette même génération qui s'engage en tout cas pour les avenirs, pour les enjeux planétaires. Mais je crois que quelquefois, ce qui fait que les jeunes ne sont pas suffisamment écoutés, encore une fois c'est plutôt mon regard, c'est qu'ils peuvent avoir une posture très radicale et assez punitive. Punitive. Donc voilà. Ce qui peut cliver notamment dans certains boomers. Ouais. Émilie Paré, on va rester du côté des entreprises puisque vous êtes la présidente de la Confédération nationale des juniors entreprises. Alors, ce monde de l'entreprise, comment est-ce que vous le percevez? Est-ce que c'est en train de bouger? Est-ce que également du côté des étudiants, c'est en train de bouger en termes de demande, en termes de peut-être d'avenir, en termes de carrière? Comment est-ce que on peut éclairer cette question? Merci Stécie pour cette question. Merci aussi pour cette invitation. Alors, au niveau des entreprises, c'est vrai qu'on est au contact en permanence de ces entreprises. Et on remarque que ces dernières, en fait, montrent de plus en plus qu'elles vont au contact aussi du combat climatique. Mais en tant que jeunes, puisqu'on est en fait au contact avec eux, on a cette position de doute. En fait, ce que l'on souhaite, c'est... on se doute, bien sûr, qu'il y a un certain greenwashing, évidemment,
Mais même s'il y a ce greenwashing, en fait, on veut voir l'action concrète. Et c'est en fait dans ce concret, dans cette transparence, en fait, vis-à-vis des entreprises, que en fait la jeunesse, qui en fait sont les travailleurs de demain, va pouvoir aussi faire confiance aux entreprises. Et donc là, je ne parle pas tant, on parlait du triptyque entreprise, peuple et politique. Là, je vais plutôt m'inscrire dans le duo entreprise et peuple. Si le peuple ne fait pas confiance aux entreprises et si les entreprises ne se bougent pas aussi pour le climat, alors là, on a un vrai problème. Et on voit, on a des applications concrètes au sein du mouvement des juniors entreprises. On a tout un système de prix qui sont portés notamment par BNP Paribas, le prix de la RSE. Et donc, ça permet aussi de connecter à la fois l'entreprise et la jeunesse. Et donc, c'est un système où on va pouvoir, en fait, l'entreprise va charger la jeunesse. Et donc, là, on a un système nouveau de confiance, va charger la jeunesse d'apporter de nouvelles clés. Et donc, par la suite, nous, on va pouvoir les exploiter pour le diffuser à l'intégralité. Donc, non seulement, bien sûr, en interne au niveau du mouvement des juniors entreprises, mais aussi à l'intégralité des campus. Et donc, c'est grâce à des actions de ce type que la jeunesse peut faire confiance aux entreprises. Et au niveau, donc là, je parlais donc de l'aspect entreprise. Donc voilà, on se doute bien sûr qu'il y a un peu de greenwashing, mais on veut faire confiance aux entreprises. Et donc elles se bougent aussi pour nous, et ça, on le remarque depuis quelques années. Mais au niveau de la jeunesse, voilà, on a ce doute qui est très important. On a aussi une prise d'action et une proactivité qui est de plus en plus palpable et qui se manifeste de plus en plus. Par exemple, on a fondé un comité RSE au sein du mouvement. Donc, le mouvement représente 25 000 étudiants. Donc, un comité qui va pouvoir mener des actions et qui sont, encore une fois, très concrètes. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir quelque chose sur le court terme, puisque, bon, on reste étudiant peu de temps. Donc, on veut voilà, avoir des actions qui ont un impact maintenant. Et, par exemple, on a déterminé une grille bilan carbone pour les juniors entreprises. Et ça, c'est des petites actions qui sont menées au quotidien. On a un suivi aussi des différentes juniors entreprises qui veulent s'investir dans, pour des problématiques RSE. Donc, ça dépasse même l'aspect climat, mais notamment aussi énormément de climat. Mais tout ça pour dire que ces actions qu'on a, en fait, aujourd'hui, sur nos campus, en tant que junior entrepreneur, en fait, c'est les actions qu'on va vouloir mener demain en entreprise. Et c'est là où, en fait, on a ce pont, en fait, ce tremplin entre la vie étudiante, entre guillemets, la jeunesse, et la vie professionnelle, là où on va aller demain. Et c'est donc pour ça que tout ce qu'on met en place aujourd'hui, c'est les choses qu'on pourra mettre en place demain. Et donc, c'est en ça qu'on doit se bouger aujourd'hui en tant que jeune, pour que, déjà, dès aujourd'hui, les entreprises aussi agissent pour le climat, et que demain, c'est dans 2 ans, dans 3 ans, dans 1 an, on puisse avoir ce même type d'action au sein des entreprises. Merci beaucoup, Émilie Paris. Maintenant, on va se tourner du côté des gouvernements, puisqu'à l'approche de la COP26, c'est vers eux que nos regards vont se tourner. Et on va donc en discuter avec Rosa Björk. Dans le dernier sondage de l'Institut Kantar que j'ai pu mentionner au début de cette table ronde, on dit que 65% des sondés estiment que les gouvernements faillissent à leurs devoirs auprès des jeunes. Et 58% se sentent trahis. C'est quand même assez fort comme message. On nous explique que la jeunesse ne croit plus dans les gouvernements et dans leur pouvoir de faire changer les choses et dans le pouvoir de créer un avenir qui soit désirable. Pensez-vous que l'événement, cette COP26 qui arrive, va pouvoir apporter un peu de lumière sur ces enjeux de changement climatique et apporter surtout de réelles réponses, puisqu'on a pu le voir au cours des dernières années, les COP se suivent, se ressemblent, mais il n'y a pas vraiment de point de rupture vers lequel on peut espérer se tourner et avoir des réponses. Oui, bonjour, j'espère que vous m'entendez. Oui. Il y a un peu de écho là derrière vous, mais bon, on va essayer. Je pense pas. Il est clair que ce que nous avons vu les derniers mois, semaines et les années affecteront les gens parce qu'ils voient l'impact directement et comment ils s'affectent directement. Et on le voit aussi ici en Islande avec une température record cet été, avec des pluies sans précédent qui ont provoqué les glissements de terre, etc. Mais pour que le gouvernement ait confiance, nous devons arrêter de parler et prendre des mesures plus radicales. Et c'est ça notre demande dans la politique,
parce que c'est très facile de dire les vrais mots, les bons mots, pour dire qu'on est conscient de l'environnement et on devons réagir plus, moins, mieux. Mais ce que nous avons critiqué en Islande, c'est qu'on ne voit pas la réaction qui est liée avec la situation. Nous, dans la politique, nous voulons plus d'action et nous avons exigé que l'état d'urgence soit déclaré, que notre objectif de réduction des émissions soit légiféré et que nous fassions un peu plus, un pas beaucoup plus radical vers l'interdiction de l'utilisation du pétrole beaucoup plus tôt, et la fin de vente des véhicules d'essence ou diesel transport public est beaucoup plus importante dans notre politique. Et tout ce qui concerne la production alimentaire, tout ce qui concerne la création d'emplois verts, et aussi mettre le focus sur le changement climatique dans la coopération au développement à l'étranger, etc. Donc, comme... Et je crois que c'était Gabriel qui nous a dit tout à l'heure, la question climatique touche toutes les sphères, toutes les actions du gouvernement. Mais ce qui, moi et d'autres manquent, c'est que derrière ces belles mots, il manque de l'action. Oui, tout à fait d'accord. Peut-être Corinne Lepage, on vient d'entendre le besoin de plus de radicalité de la part des gouvernements. Pourtant, ce qu'on a aujourd'hui, c'est des engagements pris à 10, 15 ou 20 ans, des retours sur les promesses faites par les gouvernements précédents, comme ça a pu être le cas aux États-Unis avec le retrait des accords de Paris, ou même une vision assez court-termiste. On se dit, bon, on a une crise sanitaire, ça passera avant la crise, l'urgence climatique. Donc comment est-ce qu'on peut réussir à inventer, à créer des gouvernements qui soient peut-être plus adaptés à la crise climatique? Je ne sais pas si Corinne Lepage nous entend. Oui, elle vous entend. Super. Elle vous entend. Alors, je suis désolée, ça a coupé, mais je pense que dans ce qui vient d'être dit, qui est tout à fait juste, il y a un élément qui est très important. Je ne sais pas si vous en avez déjà parlé. C'est tout ce qu'on appelle la justice climatique. C'est-à-dire toutes ces décisions qui s'ajoutent les unes aux autres dans différents pays du monde pour obliger les États à agir, voire avec la décision hollandaise concernant la société Shell, pour obliger les entreprises à agir. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très nouveau et qui permet de ne pas se placer à dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, mais à regarder tout de suite les engagements qui sont pris et voir s'ils suffisent. Et si les trajectoires sont la bonne, et c'est ce qu'a jugé le Conseil d'État en France avec l'arrêt Grande Synthe, en disant, ben, vous avez peut-être un objectif à 2030, c'est possible, mais tel que vous êtes parti, vous le tiendrez pas. Et donc, on va regarder ce que vous faites en 2021 et voir si ça permet d'atteindre ou pas 2030. Voilà, donc ça, je pense que cette pression-là, elle est quand même extrêmement importante. Je vous remercie. Vous parlez donc d'un besoin d'avoir un petit peu une vision de ce qui est fait actuellement et de l'impact que ça peut avoir. Aujourd'hui, en effet, on sait très bien que, mis bout à bout, tous les engagements des pays, que ce soit à l'échelle européenne ou à l'échelle mondiale, ne nous permettront pas de rester dans l'objectif des 2 degrés. Donc, est-ce qu'on peut dire d'ores et déjà que notre modèle démocratique n'est pas adapté à l'urgence climatique? Alors, c'est à moi de vous poser la question. Oui, ben, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse, parce qu'il est clair qu'il y a deux exigences qui sont assez contradictoires. La première, c'est que tout ceci ne se fera pas contre les gens. Et donc, la question de l'acceptabilité, la question de la justice dans la transition est quelque chose d'absolument fondamental. Si on veut embarquer toute la société, et on n'a pas le choix de le faire ou de ne pas le faire, il faut le faire. Ça veut dire qu'il faut qu'on revoie complètement les conditions de cette transition, de manière à ce qu'il puisse y avoir une adhésion et qu'à ce moment-là, le système démocratique fonctionne. Et deuxième étape, deuxième point, c'est il faut que les États arrêtent de ne pas faire de ce sujet une priorité et qu'on continue à considérer que la priorité, elle est celle de la croissance à court terme, parce que ce n'est pas possible.
alors que la transition ne signifie pas la récession, la décroissance ne signifie pas nécessairement la récession. C'est une transformation économique, ça veut dire qu'il y a des perdants et des gagnants, mais ça veut dire qu'on peut, dans un esprit de solidarité et de justice, trouver les solutions pour que les perdants puissent être compensés et puissent trouver de nouvelles formations qui leur permettent d'entrer dans le nouveau système. Merci beaucoup. Je vais me tourner vers vous, Gabriel Rousseau. Vous avez participé au Y7, la version donc jeune du G7. Si on regarde aujourd'hui nos institutions, je prends l'Assemblée nationale, on a 4 députés sur 577 qui ont moins de 30 ans. On est situé dans ce qu'on appelle la gérontocratie. Donc c'est les vieux, les boomers qui dirigent notre société et qui prennent des décisions. Donc est-ce que tu juges qu'on devrait mettre fin à cette gérontocratie et donner plus de pouvoir, plus de place dans les institutions à la jeunesse ? Alors, je ne sais pas si on pourrait vraiment dire qu'on est dans une gérontocratie, mais c'est vrai qu'on, quand on voit l'exemple des États-Unis, on se dit qu'on se dirige quand même vers ça. En fait, moi, ce que je constate, c'est qu'il y a un peu une dichotomie entre le fait que les jeunes ne vont plus aux urnes. Il y a un désengagement de la jeunesse dans les élections, qu'elles soient régionales, présidentielles, etc. Et en même temps, une volonté d'engagement très forte, qui est politique, elle n'est pas politique au sens des urnes, mais elle est politique, et on essaye de justement faire remonter nos préoccupations par d'autres moyens, par l'engagement associatif, par ce que nous, on a fait justement au Y7. Mais en fait, le problème, c'est que cette manière de faire, elle est très bien, et voilà, j'en suis très contente, mais on sait très bien que, en fait, ça n'arrive pas du tout aux oreilles des dirigeants, et même si nous, on a fait nos recommandations aux dirigeants du G7, on ne se fait pas d'illusions sur le fait que, évidemment, elles ont peut-être été relues, mais la question pour un politique, quand il reçoit ses recommandations, c'est comment est-ce que je fais en sorte, un peu du jeunesse washing, comment est-ce que je fais en sorte de dire que j'ai pris en compte ces recommandations, parce qu'en fait, c'était déjà inclus dans mes plans de toute façon, comment est-ce que, voilà, on arrive à dire, ah, mais finalement, on a mis la santé mentale, et c'est ça qui a été fait pour le G7, on a mis la santé mentale dans le communiqué du G7, parce que les jeunes, c'est une préoccupation, c'est remonté, etc. Bon, en soi, mettre la santé mentale dans un communiqué, c'est pas non plus prendre une action concrète, malheureusement. Et je pense que c'est ça, en fait, il va falloir réconcilier l'engagement des jeunes et l'action politique. Et ça, c'est vrai qu'on attend de voir comment ça peut se faire, mais c'est pas par la représentation en ce moment. Merci beaucoup. Je vais me retourner vers vous, Florian Breton. Le sujet de cette journée, c'est la finance responsable. Ça tombe bien, vous travaillez chez Mimosa. On a eu un rapport qui a été publié le 24 mars qui s'appelle « Banking on Climate Chaos » qui a été publié par 6 ONG et qui dénonce qu'entre 2016 et 2020, les financements des entreprises actives dans le pétrole et le gaz apportés par BNP, Société Générale, Crédit Agricole, donc toutes les banques qu'on a l'habitude de voir, ont augmenté de 19% par an, ce qui est assez impressionnant. Donc comment est-ce qu'on peut mettre la finance aujourd'hui au service de la transition écologique ? En effet, depuis l'accord de Paris, je crois qu'à l'échelle mondiale, c'est 4 000 milliards qui ont été investis dans justement les énergies fossiles. Et la France n'est pas en reste puisqu'on est les champions d'Europe avec nos banques et on est, me semble-t-il, pour mémoire, quatrième, me semble-t-il, à l'échelle planétaire. Du coup, il y a quand même une grande hypocrisie autour de ce sujet-là. Pour moi, en effet, on parlait tout à l'heure de la réduction des déchets, donc des actions quotidiennes qu'on peut avoir sur le gaspillage alimentaire, sur notre consommation locale et de saison, et donc décarboner sur le Made in France, qu'on pourrait aussi évoquer. Mais en réalité, ce n'est rien comparativement à l'impact aujourd'hui de la finance à l'échelle planétaire. Si toutefois on se projette sur les enjeux climatiques, on parlait tout à l'heure de 2,7 degrés, en réalité les engagements financiers aujourd'hui qui sont pris nous orientent plus vers une trajectoire à plus 4, voire plus 5 degrés en 2050. Donc là, en réalité, la planète Terre serait invivable pour nous tous. Et donc il s'agit aujourd'hui certainement d'avoir des actions un peu plus radicales. Ce qui est intéressant, c'est que au-delà de la jeunesse, tout à l'heure tu citais le fait que c'était l'enjeu climatique était le principal intérêt des jeunes, c'est le principal intérêt aussi des Français aujourd'hui. Je crois qu'il y a une étude qui est sortie il n'y a pas très longtemps, en juillet 2021, qui révèle que 68% des Français positionnent en première place l'enjeu climatique. Donc on sait qu'on est les champions d'Europe aussi avec l'Allemagne de l'épargne. 5 000 milliards d'euros aujourd'hui d'épargne en France.
À peine 20 milliards d'euros sont fléchés vers les enjeux sociaux et écologiques, observatoires et études réalisées notamment autour de la finance solidaire. Il s'agit de s'attaquer, pour, selon moi, dans une année en plus présidentielle arrivant, à l'enjeu de l'épargne. Alors c'est bien parce qu'il y a des gens qui militent justement pour réorienter le livret de développement durable et solidaire, donc le LDDS, qui collecte comme le livret A chaque année un peu plus, donc c'est 160 milliards d'euros, c'est très bien, mais en réalité, selon moi, il faut qu'on s'attaque plutôt aux assurances-vie. L'assurance-vie, c'est 2500 milliards d'euros, c'est la moitié de notre épargne. On a su faire des optimisations, en tout cas des niches fiscales autour de l'immobilier en France, donc ça aussi, c'est quelque chose qui a permis à des Français d'accéder à la propriété et de s'enrichir. Maintenant, l'enjeu étant le climat et les enjeux sociaux aussi, bien évidemment, il s'agit de s'attaquer à l'assurance-vie comme un produit et comme une vraie niche fiscale qui soit compensée, en tout cas incitée à être orientée vers les enjeux dont on parle aujourd'hui. Donc pour moi, le LDDS est un très bon combat, puisque, je le rappelle, seul 10% du LDDS sert les enjeux du naming du LDDS, donc c'est très peu. Mais pour moi, la vraie grande optimisation à aller chercher, elle est du côté des assurances-vie, placement préféré des Français. Donc, nous concernant, chez Mimosa, comme on considère que l'agriculture est au cœur de tous les grands enjeux planétaires et qu'il n'y a pas deux secteurs économiques aujourd'hui à l'échelle mondiale qui répondent tant à 10 ou 11 objectifs du développement durable. On peut parler de la santé, de la démographie, du climat, de l'environnement, des énergies à travers l'agriculture. Nous concernant, on plaide pour une orientation vers l'agriculture et vers un modèle de société autour de l'agriculture. Mais en tout cas, à minima, si on traite des enjeux sociaux et climatiques, il s'agit de s'attaquer, selon moi, à l'assurance-vie et à l'impact de la finance au quotidien. C'est ce dont on va également parler avec Louise Gaillet, puisque vous avez travaillé au sein de banques, de sociétés d'investissement. Donc, qu'est-ce que vous pensez de leur rôle dans la transition ? Comme on l'a dit tout à l'heure, la transition va se faire sur le terme long. Et c'est justement là que la finance a un rôle à jouer, étant donné qu'elle subventionne des entreprises de toutes les industries et également de grosses infrastructures. Et donc c'est pour ça que je pense que la finance est un vrai levier indispensable de la transition. Son rôle, c'est de rediriger les capitaux vers des objectifs bas carbone. Parce que donc, par ses investissements, elle intervient dans le modelage de la société de demain. Je disais un article du Financial Times, il y a à peu près un mois que j'ai retrouvé, qui écrivait « L'action climatique restera au point mort tant que le problème du financement ne sera pas résolu ». Et c'est exactement là que la finance a tout à faire. Quand on évoque des travers un peu de la finance, ou en tout cas les points sur lesquels elle doit encore progresser, je pense que c'est vraiment sur les réglementations et la formation des personnes qui travaillent en finance. Étant donné que, bien que la finance responsable croisse et devienne de plus en plus importante, elle est encore seulement en train de poser ses fondations, c'est-à-dire qu'il reste des normes à préciser, il reste un langage commun à codifier, il reste des référentiels à clarifier. Et donc, c'est vraiment sur ça qu'il faut travailler. Et en étant jeune, je pense que c'est très important de se former. Le sujet d'aujourd'hui, c'est de défendre les générations futures. C'est pour ça que c'est à nous de nous former. Et l'EDEC a notamment développé un master en partenariat avec les Mines de Paris pour la finance responsable. Et je pense que c'est par ces actions de formation et de réglementation que la finance pourra jouer son rôle et rediriger les capitaux. Merci beaucoup. On entend beaucoup cette question de la formation. Moi, la question que je me pose régulièrement, c'est OK, c'est super de former notre génération à tous ces enjeux. On est quand même déjà un petit peu éveillé, mais en effet, il faut qu'on ait les compétences pour ensuite transformer ça en réelle solution. Mais il faut savoir qu'avant qu'on ait le pouvoir dans nos mains, il va s'en passer des années. Alors qu'on nous dit que la crise climatique, elle est là, elle est devant nous. Donc comment est-ce qu'on fait pour passer de cette question de formation des jeunes à formation des cadres et des dirigeants des entreprises qui sont déjà en fonction ? Qui est-ce qui veut ? Peut-être Florian ? Oui. Ou Émilie ? Ouais. Je trouve que cette question, elle est très intéressante dans le sens où c'est pas tant... Alors on parle bien sûr de la formation des jeunes, mais c'est aussi avant donc, qu'on soit les dirigeants demain, c'est comment aujourd'hui, comment on peut s'exprimer.
Et Gabriel, tu as parlé donc des engagements associatifs, et donc avec la fuite des urnes, etc., on n'y va plus autant que nos aînés. Et je pense que justement, dans cet engagement, en fait, il faudrait reconstruire ce lien de confiance entre donc la formation d'une part, et on revient entre guillemets encore une fois sur ce triptyque qui est très important, c'est nous sommes dans la formation, nous avons un contact donc avec les entreprises puisque nous allons travailler demain, et donc il faut reconstruire ce lien avec les pouvoirs publics qui eux en fait sont les dirigeants actuels. Et je pense que c'est déjà au niveau de l'entreprise aussi qu'elles doivent aussi s'engager plus avec les pouvoirs publics et donc d'un commun accord, toucher en fait la jeunesse pour qu'en fait on puisse reconstruire ce lien de confiance. Moi, je crois quand même que les jeunes générations sont beaucoup mieux formées que les anciennes sur ces enjeux-là. Donc, je suis notamment dans le monde de la finance et dans le monde bancaire. Une des grandes responsabilités, si toutefois on veut flécher l'épargne des Français vers des enjeux bas carbone, c'est aussi l'enjeu de la formation des salariés en place dans les banques qui aujourd'hui ne distribuent pas de produits dits responsables, solidaires, climatiques, peu importe le nom, mais en tout cas ne flèchent rien parce qu'ils ne sont pas formés. Encore une fois, et c'est pas énorme. Enfin, c'est pas que leur faute. C'est aussi une vraie volonté de direction que de transformer aussi cette formation et l'orienter vers les enjeux d'aujourd'hui et de demain. Donc, je trouve quand même que les jeunes générations sont mieux formées, mieux éduquées à l'enjeu climatique que les précédentes. Gabriel, peut-être une question là-dessus pour te relancer dans le Y7. Est-ce que la vision que vous avez pu en avoir, c'est une vision d'un monde qui est déjà quand même bien éduqué, bien formé sur les questions climatiques? Alors, en fait, c'est assez intéressant parce que je trouve qu'en effet, les jeunes sont mieux formés, en tout cas plus sensibilisés aux enjeux climatiques, mais je dirais que c'est pas parce qu'on a reçu une quelconque formation particulière là-dessus, mais plutôt qu'on s'est formé nous-mêmes et qu'on a demandé à être formé. Et qu'on a posé des questions et qu'on s'est, évidemment, grâce à Internet, etc., on a accès à la connaissance. Et en fait, je pense que ce qui est plus important encore que la formation, qui en fait en bout de chaîne, c'est un peu ce qui arrive à la fin, parce qu'on arrive à sensibiliser, on arrive à ça, c'est en fait ces deux choses, c'est justement la sensibilisation et la responsabilisation. Et je pense que c'est ces deux enjeux-là qui vont permettre aux entreprises ensuite de discuter avec leurs salariés, de comprendre un peu ce dont ils ont envie, et peut-être que justement ces besoins de formation vont ressortir. Mais en fait, avant même ça, je pense que c'est un petit peu dangereux de dire que c'est parce que les jeunes sont mieux formés que c'est eux qui ont ces enjeux en tête. C'est pas si vrai. C'est parce que ça nous concerne qu'on se sent responsable, en tout cas qu'on est sensibilisé, qu'on s'est formé. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut envisager la chose. Et sur la deuxième partie de la question, le contact avec les décideurs politiques, qu'est-ce qu'on peut en dire? Est-ce qu'ils sont bien au courant? Est-ce qu'ils ont compris comment ça fonctionnait, toute cette question de changement climatique? Alors, je pense que c'est un petit peu la même chose. Je pense que de plus en plus, on en parle, et de plus en plus, ils sont obligés, en fait, de se former. Et en tout cas, ils incluent ces éléments dans leur discours. En revanche, c'est vrai qu'il y a un manque... Je pense que ça fonctionne. C'est pas tant, le problème n'est pas encore une fois pas tant de formation que de manque de prise de responsabilité pour le moment, mais ça évolue. Je vous remercie. Je ne sais pas s'il y a des questions, peut-être que les personnes qui nous regardent peuvent encore les poser. Sinon, peut-être un mot de la fin de la part de chacun de nos intervenants. Émilie ? Avec plaisir. Tu parlais de responsabilité et moi je dirais que cette responsabilité en fait elle engage la proactivité et un message de conclusion ce serait que nous jeunes on a besoin d'être proactifs, on a besoin d'agir pour des questions de développement durable, on en a besoin, on doit le faire, après on doit se faire écouter et c'est là toute la difficulté et on doit donc se motiver et être proactif pour y arriver. Merci beaucoup Florian. Je ne suis pas collapsologue, donc très 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 positif sur l'avenir. J'y crois beaucoup. Je vois énormément aujourd'hui, même à travers Mimosa, dans les
candidatures, etc. Beaucoup de jeunes qui souhaitent s'engager. Et d'ailleurs, même les grandes entreprises qui s'engagent deviennent en tête rapidement des marques employeurs. Donc ça va aussi dans le bon sens. Donc moi, je suis très, très confiant sur notre avenir. Par contre, il va falloir faire preuve d'un petit peu plus de courage et quelquefois, pour pas contredire non plus ce que je disais, mais d'un petit peu de radicalité pour avancer plus vite. Donc j'y crois beaucoup, bien évidemment, très déterminé, une génération qui est engagée aujourd'hui et qui sait à quoi on doit faire face. Et je rappellerai juste que l'enjeu climatique ne doit pas être exclusif, il est au contraire inclusif de fait, et qu'il faut bien évidemment marier l'enjeu climatique à l'enjeu social et aussi à l'enjeu alimentaire nous concernant, parce que on pourrait mourir de faim avant de mourir du climat aussi. Donc il s'agit aussi de faire attention à ce qu'on fait quand on traite notamment du vivant et de l'agriculture. Oui, voilà. Question d'intersectionnalité dont on parle de plus en plus. Gabriel ? Moi, je voulais tout simplement vous remercier pour cette discussion qui était très intéressante. Et je pense qu'en effet, là, on entre dans ce qu'on appelle la décennie de l'action. Donc c'est très important d'avoir toutes ces réflexions et de bâtir... de trouver des pistes pour une action vraiment résolue, pour enfin, peut-être, parvenir aux objectifs de développement durable en 2030. Rosa, un message à faire passer à notre génération ? En même temps que je suis très heureux de la retenue de la jeune génération, leur initiative, tout ce qu'ils ont fait, je voudrais aussi avertir que les enjeux climatiques sont uniquement l'affaire des jeunes et que nous les laissons résoudre le problème climatique eux seuls. Et j'ai trouvé malheureusement trop de gens en politique qui font cela, et félicitent et applaudissent la jeune génération sans assumer la responsabilité de la situation. Et je pense que c'est Gabriel qui a utilisé le mot jeune. Jeunesse washing. Et je crois que on ne doit pas mettre le problème sur la génération des jeunes, mais intergénération solution. Et aussi, comme vous avez parlé aussi de l'inclusion, ça c'est très important pour résoudre le problème climatique. Merci beaucoup, Rosa. Et enfin, pour le mot de la fin, Louise. Je rejoins le point de Florian. Je suis très positive pour l'avenir, si tant est qu'on trouve des solutions rapidement, bien sûr avec une perspective de terme long, et que la finance a tout à faire et peut vraiment agir pour la transition. Merci beaucoup. Ça va donc marquer la fin de cette table ronde Génération Future. Je retiens radicalité, intersectionnalité, radicalité à différents niveaux, mais elle est quand même présente. Je vous remercie de nous avoir suivis. N'hésitez pas à consulter le planning du reste de la journée, puisque la journée n'est pas terminée. Ça va continuer sur la question de la finance responsable. Et en tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup.